Et salut à tous, c'est Tang, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode d'XCOM. Déjà 6, et donc je ne fais même pas le temps passer. Et on commence là par un message de la résistance. Bien évidemment, j'accepte. Hein. Bonjour, commandant. Bonjour. Je crois que vos récentes activités ont attiré l'attention d'Advent. Nos envahisseurs préparent quelque chose. Advent réaffecte un personnel et des ressources considérables à des centres de production et de recherche secrets sur la planète. Les détails exacts de ces opérations sont classés top secret, mais un mot revient dans tous leurs fichiers. Avatar. Je pense que le site secret que nous avons découvert fait partie de ce projet Avatar. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un projet de très grande envergure. Selon une source encore indéterminée, ce projet est supervisé par la direction d'Advent. Nous avons essayé de connaître son identité, mais en vain. Nous devons tenter une approche plus directe. Nous ignorons la nature exacte de ce projet Avatar. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous devons trouver ces installations secrètes avec l'aide de la résistance locale. Retarder les opérations ennemies et découvrir la vérité. Localisez la source du projet Avatar et détruisez-la. Si l'ennemi atteint son objectif, je sais que ce sera notre fin à tous. Je suis convaincu que vous prendrez les mesures qui s'imposent pour enrayer cette menace, commandant. Bien évidemment, alors... Nous suivons ici de près l'avancement du projet Avatar. S'ils finissent ce qu'ils ont commencé, je crois que ce sera notre fin à tous. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce projet Avatar, mais c'est pas bon du tout. Qu'on soit bien clair. Déjà 3. Mission analyse de l'Est, on continue là-dessus. Je n'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil, mais c'est très intriguant. Je me demande souvent comment les extraterrestres ont pu concevoir cette créature. Existe-t-il un autre monde, peuplé de ces êtres métamorphes ? Ou n'est-ce que le résultat d'autres manipulations génétiques ? C'est une très bonne question. En tout cas, on a maintenant la Balizler, donc... Balizler qu'on avait dans Long War. Ou dans... non, c'est dans l'autre. Alors, vu que ça, on l'a pas vu beaucoup, vraiment, je vais pas le faire. Ah, faut que je décrypte la tablette. Je vais décrypter la tablette. Que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Ouais. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Très bien, merci beaucoup. Donc a priori, l'heure de notre arrivée est toujours la même. Et au moins, on termine cette mission. Du secret d'Advent, ok. Commandant, nous avons pris contact avec la résistance locale et nous pouvons investir le site secret d'Advent sur votre ordre. Nous devons préparer et équiper nos hommes pour une mission difficile. Je suppose que le site extraterrestre sera bien protégé. Je garde un œil sur toutes nos opérations, commandant. Nos équipes n'attendent qu'un mot de votre part. Ok. Donc avant d'attaquer, parce que... ça me plaît pas trop. J'aimerais bien aller récupérer les quelques ressources qu'on peut avoir à côté parce que là, l'autre là ici a disparu. Celle-ci non. Donc on va en profiter. On va récupérer ça. Le jack. Alors, l'accès au réseau de communication extraterrestre est hautement limité et requiert plusieurs augmentations biomédicales complexes. Le jack vous permet de pirater le réseau en prenant temporairement le contrôle des augmentations d'un être, même si tout accès gagné est forcément de courte durée. Ok.
informe que la résistance a attaqué une voie de ravitaillement d'Advent. Nous pouvons récupérer des matériaux précieux à condition d'éliminer les extraterrestres qui gardent le site. Oui, bah j'y vais. Parce que ça pue sinon. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. Allez faire la gueule, Simon. Donc Ramos, qui est quoi, Ranger? Ah oui, le Ranger est de retour, qui va être équipé du jack. Parce que je préfère. Et donc Lynch, ça c'est bon. Et on va prendre une nouvelle recrue. Hein. Faut que je fasse gaffe à ça d'ailleurs. Enfin, attention parce que là, les unités sont pas très très hauts, j'en ai quasiment plus. Donc vous avez vu, contrairement à XCOM Enemy Island, on avait quand même beaucoup d'unités dans le 1. Enfin, qui était le 2 techniquement, mais là dans celui-ci, les unités sont quand même assez rares. Donc va vraiment, vraiment falloir faire attention à tout ce que je peux avoir. Par la résistance dans le secteur, et les extraterrestres n'ont pas pu la cheminer hors de la région. Nous allons nous emparer du matériel et des technologies qu'ils transportent. Éliminer les contacts hostiles et sécuriser la zone. Très bien. C'est l'heure à le faire. Allez, c'est parti, on lance, désolé pour ce petit bruit. Menace. Ce qui est bien, c'est que je récupère mon Ranger. Sécuriser la zone et éliminer l'ennemi. A priori, ce sera pas trop par là. Le train est ici, très bien. Je bouge. Donc on est parti. Vigilance. Ensuite, unité classique. Classique ou classique. Position confirmée. Bon, il pleut dans la mission, forcément. Ce serait pas marrant sinon. Tout de suite. Je rejoins la position. Affirmatif, je couvre la zone. Alors, où est-ce que je vais l'emmener? Je l'aurais bien calé là, mais vous voyez déjà, je suis en second et j'ai pas tellement envie. En route vers la position. Je pense qu'on va le faire en deux fois. Bien reçu, j'ouvre grand les yeux. S'il te plaît, oui. Il serait préférable. Bien compris, j'y vais. Affirmatif, je couvre la zone. Tout de suite. Grillé. Merde. Sans l'implantation de branches d'ADN humain, ces créatures que nous appelions allumettes ont aujourd'hui leur vrai visage. Une espèce purement reptilienne. Les extraterrestres n'ayant plus besoin de nous infiltrer, pourquoi est-ce qu'ils se cacheraient? Il y a quoi par là? Merde, c'est loupé. Ouais, un coup pour rien. C'est pas cool. Donc ouais, c'est reptile, c'est vipère, là, je... Ah, ça, je m'en doutais. S'il te plaît, loupe-le pas. Yes. Merci. Cible à terre. Ah.
Ah, Dieu. Réflexe. Ah oui, non, j'avais fait deux. Tant pis. Le pédal qu'on s'est fait repérer, on va le jouer différemment. Ah, je me suis même pas réussi à mettre à... Oh, t'es sérieux. Complètement à côté. Ah, mais complètement, ouais. Ok, j'y vais. 43, c'est pas mieux. Butez-le, quoi. C'est pareil, t'es au-dessus. J'ajuste ma visée. Non mais sérieusement. T'as beau pourtant, tu l'as pas à 43. Tu l'as bien plus. Ennemi neutralisé. T'étais promu, c'est bien, Taïo. Toi, tu restes en vie, s'il te plaît. J'avance. Viens par là. Bien reçu, en route vers la cible. Tout de suite. Ça devrait pouvoir se faire. Là, et donc c'est avec les munitions médicaux, voilà. On va le faire, s'il te plaît. Comment ça donne? Ça donne 3 normalement. Ouais, ça donne au moins 3. Ça iso. Il est soigné, et on va te le mettre en vigilance avec le fusil sniper. Alors... Rappelle que moi les rangers c'est un gros mais commando. Je suis en route. Clairement se faire une zone safe. Deux lanciers, un officier. Essayons de le neutraliser avec le jack. Oui. Dommage, c'est raté. J'aime pas ça du tout. Non plus. Complètement à côté. Il faut que je tue lui parce que le problème c'est que mon ranger est pas tellement bien placé. Ok, je vous fais confiance. Ça c'est fait. Elle est marquée. A priori, ils peuvent d'abord nous marquer pour savoir pour arriver à mieux nous viser. Raté, très bien. Toi, tu le fais aussi. Ok, c'est pas bon. T'es une grenade, toi, je crois. Qui a une grenade dans le coin? Top beau portant, on veut pas tellement les louper. Critique.
sais que je vais essayer de le contrôler. C'est volontaire, je tire dessus, c'est pour l'affaiblir dans un premier temps. S'il est complètement foiré. Surveillez les côtés. Très bien. Je me fais tirer dessus. Je suis parti. En vigilance. Ça roule. Tu recharges. Ensuite, le gremlin soins médicaux. Je sais pas comment ils peuvent être. Ah, c'est mettre en protocole de soutien parce que je pourrais mettre en soins médicaux, mais je me dis que si l'autre se fait taper dessus, ça peut peut-être être mieux de le garder le soin. Tiens, recharge. Et ça, avec elle qui est en vigilance. On peut y aller. Je bouge pas. J'ai bien fait de les garder. Au secours ! Ah non ! Vite ! Ramos, qu'est-ce que tu fais ? Avec ça en panique, c'est que là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais la soigner direct. Toi, tu vas rester en vigilance. Soin sur Ramos. C'est l'heure des soins. Hop, tu prends 3 PV supplémentaires. Ensuite, tu te restes ici en vigilance. Je couvre la zone. Et en vigilance aussi. Oh, sérieusement. Tiens, tu prendras 3 aussi. Et le Jack. Jack déployé. Un accès total au réseau psionique d'Advent. J'ai mobilisé tous nos systèmes pour le traitement des nouvelles données. Mais nous devons faire vite. Ils ne tarderont pas à s'apercevoir de notre intrusion. On peut y aller. Commandant, ce doit être le codex chargé de protéger les banques de données extraterrestres. Il faudra le neutraliser si nous voulons récupérer ces données. Compris. À vos armes, on a notre cible. J'y vais. En vigilance. Il y a quoi par là? Tu y vas, tu rigoles pas. Toi, je le vois pas. Je reste en observation. Toi, tu le vois, mais ça ne va pas. Hop, hop. C'est raté, ça, Iso. J'ai tiré dans le vide. Le codex semble être un flux qui existe simultanément à travers plusieurs dimensions. Ma position est vulnérable. Mmh.
4 points de dégâts. Alors, vaudrait mieux faire ça, c'est enfin. Pour vraiment critique. Oh putain, il va faire un clone. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le codex projette de multiples copies de lui-même dans notre dimension. Ce qui fait qu'il a que 4 points de vie, parce qu'ils ont dû se partager justement les... Ok, j'y vais. Ah, c'est pas plus mal. Bah ouais. Donc l'arme principale est... voilà. Est à sec. Et pas l'arme secondaire. Tu refais un clone ? Oh putain! Au secours, quelqu'un! Désolé Iso. Oh non! Ça les bute! J'étais pas sûr! Pourquoi j'ai hésité? Oh là 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 là! C'est quoi ces tirs? Ok, je vous fais confiance. T'as lui ou t'as lui? Merde, putain. La cible a rien. Bouge d'ici. Putain, c'est mis en vigilance. Oh, le blaireau. Bon, si c'est comme ça. Je me suis planté. L'autre que je cherchais à soigner, enfin à faire tirer. Ah, ça fait que 3. Ça va pas faire de critique. J'ai perdu Issou vraiment bêtement en fait. Téléportation. Non. Toi t'es morte. Non, non. Oh, putain. Oh la mission de merde. Voilà. Talion, tous les agents d'XCOM sont morts ou introuvables. L'oiseau de feu rentre à la base. Premier échec critique. Là, on peut clairement le dire. Perdre Rizzo, ça me fait chier dès le début quasiment. Mais si j'avais plus d'âge, j'avais plus de cas. Voilà. Désolé. Désolé. Là je... Oh putain, c'est chaud là.
Et je suis en gros, enfin en vétéran, hein, c'est pas compliqué hein, normalement. Pas plus que. Le résultat est loin de nos attentes. Ah, il oui. va falloir travailler dur pour nous remettre de cette inquiétante défaite. Nous manquons de bras, commandant. Le QG de la résistance pourrait nous fournir des recrues. Ce serait bien. Parce que là, les soldats, ils sont trois, sachant qu'il y en a un qui est ce Quay. Donc, recruter. Alors, recrutons René Simon, Gerald Johansson, Yang Lee, Carl Johansson. Et je vais recruter Dwayne Johnson. Allez! Nous recevons un message non sécurisé d'un clown qui dit s'appeler Van Dorn. Pas vraiment le genre de recrue dont nous avons besoin. Van Dorn? Ah, forcément, nous allons perdre l'Asie. On va continuer à récupérer les ressources là-bas. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Les tourelles déployées par Advent dans leurs installations et postes de contrôle sont automatisées, comme les unités mécanisées extraterrestres. Ils ont dû passer beaucoup de temps à améliorer les capteurs optiques et le système de visée, que Shen aura probablement envie d'examiner une fois le démontage terminé. Ok. Bien que je sois toujours resté très réaliste quant aux ressources et aux installations limitées dont je... Chut. Annuler ce raclatalion. Ça, je le sais. Notre reconnaissance à distance indique qu'un ovni traque notre position. Nous devons redoubler de prudence en choisissant notre route. Ressources stratégiques localisées. Ok. Alors, piste d'atterrissage. Merde, j'ai quitté. Alors que je voulais pas forcément. Est-ce que je vais te faire autre chose, toi ? Faire un autre jack ? Normalement, non. Ah, ça dépend. Est-ce que je l'ai ramené ou pas ? Alors, Jonas Bauer, spécialiste. Je n'ai que la crosse. Anne Simon. Ah oui, c'est ça le problème. Hop, tu rajoutes la crosse. Équipement. Pas de jack. Il va falloir que je refasse ça. Hein. Un choix intéressant. Je vous fais signe dès que ce sera terminé, commandant. Très bien. Commandant, nous développons et déployons de nouvelles technologies de pointe. Alors, si vous trouvez des recrues ayant des connaissances scientifiques, elles seront les bienvenues. Je sais. Alors, je crois que je vais aller là-dessus. Je vais envoyer là-dessus dans la prochaine, dans le prochain épisode. Parce que je suis comme ça, on va pas y aller maintenant, donc je vous retrouve dans le prochain épisode pour... continuer cette superbe série. Donc à bientôt dans l'épisode 7. Salut à tous.